Salut à tous! Alors, on attaque ce 14e épisode du Let's Play sur Pokémon Cristal Bleu. Donc, en off, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été juste vite fait un coup dans les herbes. J'ai fait prendre un petit niveau, je crois, à Ponyta. Et surtout, je viens d'aller chercher dans le PC. Donc, Pokémon. Vous savez bien évidemment que c'est Bozo, le Mime Junior. J'ai enlevé le multi-exp de Merguez pour le donner à Bozo. Lui, je lui ai donné une petite baie. Parce que j'ai oublié de le faire. Ils sont où ces petites baies? Je m'y perds un peu dans tous ces sacs, moi. Hop. Je sais qu'il y a les petites illustrations à côté, mais je m'en sers pas. Alors, soigne la brûlure. Non, ça m'intéresse pas. C'est un Pokémon de feu. Ah, tiens, réveil. Et hop. Donc, Bozo. Alors j'ai regardé un peu sur internet parce que j'avais peur que ce soit un Pokémon Bozo qui évolue avec du bonheur ou un truc comme ça. Donc non, il faut qu'il apprenne l'attaque copie. Apparemment l'attaque copie elle vient au niveau 15, à peu près dans toutes les générations, depuis l'apparition de Mime Junior. Et il est niveau 16, donc j'espère que cette attaque va bientôt arriver. On va, donc je l'ai mis dans mon équipe comme ça, il sera pas trop mal quand on ira à l'arène avec les Pokémon de combat. Je crois que c'était... Union Police, je crois. Donc du coup là, on va attaquer, on va essayer d'aller vers le haut en espérant que ce soit bien Volaroc pour avoir la petite arène. Volaroc, moi ça me parle bien, Pokémon Feu, hein. Ça fait un petit peu volcan, je sais pas quoi. Rocher, on a déjà eu. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah on attaque, voilà. Je lui ai mis le multi-expert, on va voir s'il évolue. Capumain, c'est rigolo comme Pokémon ça, Capumain. Oui, je vais prendre un ou deux niveaux parce qu'il était vraiment à la ramasse. Et même là, je trouve un peu juste là. Vu que j'ai pas XP. Les derniers épisodes, entre les derniers épisodes et que j'essaye d'esquiver un petit peu les dresseurs. Autant j'avais un petit peu d'avance en XP, mais là ça commence un petit peu à se réduire. C'est pas trop grave, hein. Faut aussi qu'il y ait un peu de difficulté dans le jeu. Psychoquack. Ouais, je suis ailleurs. En fait, en même temps que je joue, je suis en même temps sur l'autre écran, en train de regarder un petit peu des infos sur bah, Mime Junior, tout ça. Alors, j'ai même pas vu quel Pokémon il envoyait. On va laisser Luxie. Girafarig, ok. J'aime beaucoup aussi la vidéo, je sais plus qui c'est qui avait fait une vidéo de théorie qui expliquait que Kulbutoke et Girafarig étaient deux Pokémon qui étaient contrôlés par leur queue. Je trouvais ça rigolo. Un peu comme tous les hommes. Alors Bozo gagne 2,70. 17. Est-ce qu'il apprend copie? Non. Ça se trouve il apprendra même pas copie. Eh oui, je voulais vous dire, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Si jamais j'ai besoin de coupe. Alors si c'est coupe juste pour ramasser une Pokéball dans un coin, je laisserai tomber. Mais si c'est vraiment j'ai besoin de coupe pour avancer dans l'aventure, je sacrifierai l'attaque patience de Pingu. Hurlement, ça m'intéresse pas. Allez. Donc je ferai oublier, voilà, j'apprendrai coupe à Pingu.
Tuk, alors la bicyclette, c'est. Ah, j'étais encore dans l'herbe. On passe une vitesse. On repasse une vitesse. Oh. Ces petites herbes, ces grandes herbes, là, ça me fait penser la zone dans Emeraude. Après Simtronel, tout ça. Le pont avec le Kecléon. Avec des tropius plein les herbes. Toujours ce Pikachu femelle. Alors, on met Flamèche sur Pikachu. Yoga sur. Ouh, ils sont balèzes en plus, 21. D'accord, je vais vite mettre des bourrins à la place parce que. On va mettre. Voilà. Et je vais changer. Et on va mettre. Lily. Quand j'y repense, c'est vraiment le genre de team que je prends jamais, quoi. Là, vraiment, j'ai vraiment fait dans l'originalité par rapport à mon vécu parce que j'ai. Oh, mais jamais j'aurais pris ce genre de Pokémon. Bon, après, j'ai pas trop le choix dans le sens où. Bah, j'ai pris un peu ce qui venait. Il y avait aussi un épisode là où, quand je parlais des évolutions, je disais que j'aimerais bien une nouvelle évolution. Et que, à part insectes et dragons, je crois que j'avais dit, il n'y avait pas grand chose. Et vol. Et je suis retombé sur internet là, il y a un ou deux jours. Sur des fanarts d'évolutions. Et ils listaient tout ce qui n'avait pas été utilisé. Et il y en a des vraiment pas mal. Insectes, rochers, spectre, dragon, acier, combat, poison. Sol, vol. Donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de types en fait, hein. Ils ont quand même de la marge. Il y avait aussi normal, ils ont fait une évolution normale. C'est vrai que quand on y repense, Evolus c'est un Pokémon normal, il pourrait très bien évoluer normalement. Mais après je vois pas comment on pourrait le faire évoluer quoi, parce que il peut quasiment évoluer à tout moment en n'importe quoi. S'il fait jour, s'il fait nuit, si t'as le malheur d'être à côté d'une roche. D'une pierre un peu bizarre. S'il est content, il évolue. Donc je vois pas comment on peut le faire évoluer de type normal. Hop, hop, hop. Je pense que ouais, vraiment, Evoli, ils ne vont pas être limités par les types, ils vont être limités par la façon de les faire évoluer. Parce que déjà là, Nymphali, il fallait des cœurs plus une attaque fée. Alors bientôt, il faudra une attaque plus des cœurs plus. Il va devoir cumuler en fait les besoins. Pikachu. Ah, un mal.
Petit ravi. Petit ravi. Confus, paralysé, ça commence à faire. Ok, comme ça c'est fait. Ouais, on va le laisser crever de toute façon. Que moi, s'il y a un type de partie où je serais vraiment pourri, c'est quand tu commences à mettre des défis dans tes let's play, ou par exemple, que ce soit des Nuzlocke ou tous les machins là, où dès que tu perds un Pokémon, dès qu'il meurt, tu ne peux plus l'utiliser. Moi, je serais bien emmerdé vu que je passe ma vie à les laisser crever par flemme. J'ai aussi regardé, alors il y a récemment la Pokérès Johto de New Titeuf. Je trouve qu'il est vachement cool. Il y a du matos, il y a du boulot en montage quand même. C'est la façon dont c'est tourné est un peu bizarre, ça fait un petit peu de télé-réalité. Le fait d'avoir les impressions des joueurs dans un coin, un peu comme dans une salle de bain, façon dîner presque parfait ou toutes ces conneries. Mais après, ouais, il y a du boulot et c'est plutôt marrant. En plus, bah, les participants sont assez délires. Ils racontent pas mal de conneries. J'attends la suite, ouais. Copie. Ah bah ça y est. Copie. Je sais pas à quoi ça sert, yoga. Ouais, non, c'est yoga, ouais. Donc là, ça sent l'évolution. Allez. Donc théoriquement ça veut dire que si là j'appuie sur B pour refuser son évolution, il ne peut plus jamais évoluer. J'essaierai un jour. Monsieur Mime. Je vais regarder un peu les attaques qu'il apprend pour voir si il y a une petite attaque psy bourrin qui pourrait être utile. Il est au niveau 15 copies. Vague psy 15, on l'a déjà passé. 18 rafale psy 25. Ça fait loin. On verra bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Café cabane. Oh non, des psychoquacks. Psychoquacks tiennent bon, ils n'ont pas l'intention de bouger d'un pouce. C'est la manif des psychoquacks. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là en fait? Ah ça y est, il pleut. Bah, pour une fois, je suis assez raccord avec ce qui se passe par ma fenêtre. Bienvenue, cet endroit est ma plus grande fierté. Ah merde. Moi je me suis dit tranquille, on va nous filer du lait et puis en fait on m'attaque, ok. T'aurais pu au moins avoir un écrémeux. Bon, je critiquerais bien un peu hein, Melofé, tous ces Pokémon un petit peu chewing-gomesque, mais si au risque de me faire défoncer par une personne qui se reconnaîtra en regardant cette vidéo,
Donc je vais dire que c'est un Pokémon très mignon. Mais bon, s'il ne figure pas sur ma bannière de couverture YouTube, c'est que c'est peut-être pas forcément le meilleur des Pokémon. Alors, on va prendre. Allez. Con là, je vois que vague psy c'est quand même cool. C'est con que niveau 15 je l'ai passé. Après, je sais pas si y a le maître. Non, c'est quel. C'est qui faisait ça? Je crois que c'était dans Ruby et Saphir, non? Un mec qui récupérait les capacités oubliées. C'était peut-être. Ah, c'était pas celui avec les tessons de bouteille ou les écailles. Oh, je sais plus. C'est un peu vieux maintenant. En commander plusieurs. Bah, un sera très bien. Bon, hein, au risque de me faire attaquer de partout, je vais les laisser. Celestia? On va regarder ma carte parce que. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Celestia, et c'est où voilà Rockard, c'est là-haut? C'est là, d'accord. C'est Indiana Jones, ça. Ma victoire, j'ai pas eu le temps de lire. Ruine maniaque, ça fait longtemps, mais c'est le premier qu'on a. Bon. Le dessous de plat. Voilà, donc je suis attaque de merde, super. Je viens de voir qu'il est aussi psy, j'aurais peut-être dû le capturer lui. Mais qu'est-ce que je fais? Non, le bordel. On va mettre, il est psy, je vais pas mettre Minou. Papapapapam, il est assiégé puis merguez. Allez, tant pis. J'ai pas vu qu'il ait mis trop d'attaques psy pour l'instant. Non, c'est pas une attaque psy, ça. Je voulais faire frappe Atlas.
Bon, est-ce que je me suicide? Non. Ouh, attention, le soleil se lève chez moi. C'est extrêmement rare. J'espère que ça va nous porter chance. Dinoclier. C'est con que j'ai pas merguez quand même. Il aurait fait fondre tout ça. Tant pis, il pleut, on va mettre Pingu. Bon. Qui c'est qu'on a en premier? Bozo, on va pas le laisser. Je venais de là. Oh, mais j'ai eu peur. De l'huile. Donnez-moi de l'huile. Bien sûr, j'y coupe. Cradopo. Je ne sais pas quoi penser de ce Pokémon en fait. Il a une bonne tête, mais il y a quelque chose qui... Je sais pas, il y a quelque chose qui veut pas. Oui, allez, ça je m'en fous. En bas, en haut. Allez, on va dire en haut. Il y a beaucoup de coupes quand même. Allez. Abra. Ça va être chaud de la voir. Il va téléport. Oh, je vais tenter. J'ai une super ball de toute façon. Allez, chaud. On sait jamais. Peut-être une capture critique. Vu la chance que j'ai, ça m'étonnerait. Oh, c'était beau de le tenter. Je vais peut-être le prendre lui plutôt que Monsieur Mime.
Alors, comment je vais l'appeler? Il va voler en cadabra. Il a des cuillères. Il a des cuillères et ça me fait penser en fait. Je pense cuillère. Je pense à Matrix quand t'as le gamin qui plie les cuillères. Donc je vais l'appeler. C'est un mec. Je vais l'appeler Néo. Ah, il y a beaucoup de références cinématographiques, hein, dans mes noms. Ça pue un peu. Là, y a rien, on va s'en aller. Il doit être jouasse le racaillou là. Il pleut. Il ferait mieux de se cacher plutôt que d'attaquer les gens. Toute façon, je crois qu'il attaque pas lui. Il m'aurait déjà chopé. Oh non, oh non, oh non. Il est vraiment dégueulasse en fait. Ah, ses pattes. Bah. Allez. Je compte passer le défi de la reine de Volorok. Bon, ça veut dire qu'on est sur la bonne route. Ça, c'est cool. Peut-être la reine au prochain épisode, j'espère. Allez. Chimp en feu. Chaglam, ok. Est-ce qu'il est de type combat ce chimp en feu? Je me souviens plus. Bon, déjà on va faire étincelle sur chaque lame. Mais je m'en fous qu'il soit de type combat vu que je n'ai même pas d'attaque psy. Bon, on va directement changer. On va prendre. Ouh, mais j'ai plus grand chose. Pingou. Étincelle cette fois sur chimp en feu et en espérant qu'écume fasse un peu mal à chaque lame. C'est tout? Eh bah dis donc. Et il tient le coup, hein, un petit Luxio là. Nala utilise étincelle. Bon, ça c'est bon pour Nala. Voir un peu les attaques qu'il a.
Dommage. Dommage, dommage, on va mettre Lily. Ça commence à puer du cul là. Ah ouais, là, on est mal barré. Oh, c'est quoi de ce focus là, putain. Bon, de toute façon, on va se faire péter. Ça, c'est sûr et certain. J'arrêterai l'épisode à la fin du combat. Et je redémarrerai le nouveau à cet endroit. Après le combat. On a déjà vu, hein. Ça sert à rien de... Allez, on va faire photocopie, je me pose ce que ça veut dire. Ça fait toujours plaisir de finir un épisode sur une note positive. Donc voilà, on vient de se faire défoncer. Donc voilà, hein, je vais pas attendre les cinématiques. Je vous dis à la prochaine, j'espère que j'aurai un peu plus de chance, et surtout le badge au prochain épisode. J'espère vraiment. Allez, à la prochaine, bye!